à Élisabeth Charlotte, duchesse de Lorraine, à Versailles, ce lundi 7 de mars 1701. À ce que je vois par votre chère lettre du 3 de ce mois que j'ai reçue il y a une heure, ma chère fille, vous chassez les mêmes jours que nous chassons ici, car vous aurez vu par ma lettre de samedi que j'avais été aussi 4 heures à la chasse jeudi. Je suis étonné qu'à votre âge, vous vous lassiez de chasser 5 heures, alors que lorsque j'étais de votre âge, je chassais des 10 heures d'arrache-pied sans me lasser. Ce n'est pas tant que je m'ennuie au sermon qui me fait dormir, que de ce que j'y vais en sortant de table. Je ne me serais pas blessé en tombant, car je serais tombé sur le drap de pied. Les chemins sont pis que jamais. Monsieur le Dauphin revint avant-hier de Châteaufort, n'ayant pu, à cause des chemins, suivre la chasse. Bonneuil et Monsieur de Bruxelles tombèrent rudement, mais ils ne se blessèrent pas. C'est une chose horrible comme les chemins sont faits. Il n'est pas difficile de comprendre qui est la vieille mégère qui me rend des mauvais offices auprès du roi et ne veut pas que le roi me mène avec lui. Elle m'a toujours haï et me haïra toujours. Mais par bonheur, elle est plus vieille que moi et j'espère qu'elle crèvera devant moi. Le temps ne sera pas bien long que nous serons sans aller à Paris, car vous savez, ma chère fille, que nous y allons toujours à part.